Bienvenidos amis, nouvelle vidéo. Bon, salut tout le monde, c'est Soulcillard, on se retrouve pour le quatrième épisode de Sorcellerie Cubique. Et donc avant de lancer le monde, enfin qui est déjà en train de se lancer j'imagine, non pas encore, je voulais préciser, j'ai pris une décision. C'est un truc pas important du tout, mais j'ai pris une décision. Donc là on est devant chez moi, ça c'est chez moi. Vous voyez comme je l'ai bien aménagé, il y a un arbre, c'est sympa. Donc lui il s'appelle Henrik et lui il s'appelle Marcos. Donc c'est Enrique Marcos. J'ai heureusement que je l'ai pas appelé Iglesias, ça aurait fait Enrique Iglesias. Bon c'était nul. Ma décision était donc que je voulais arrêter de faire une intro fixe. Par exemple, avant c'était tout le temps salut à tous c'est Soulcillard. Maintenant je veux arrêter, comme ça je laisserai place à ma créativité pour les introductions, comme vous avez vu maintenant, ou dans la vidéo d'Isaac d'hier quand je fais hey yo what's up. Et ben ça sera un peu un truc différent tous les jours. Là c'était à l'espagnol. Je sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit, je l'ai fait à l'espagnol. Voilà, je sais pas ce que ça vous réserve pour la prochaine fois, mais c'est à peu près ça. Donc, je vais vous montrer ma vraie maison. C'est pas ma vraie maison, je pense que vous avez compris. Avec une petite pousse là, c'est très sympa, mais ce n'est pas ça. Attention. Bon, il y a un arbre qui cache juste devant. Donc quand même, ça envoie du poulet. Hein. Je sais pas si vous voyez des choses pour le moment. Déjà, j'ai fait un dallage sandstone sable. Sur ce texture pack ça rend très bien. Sur les autres textures packs ça rend très mal. Ceci avec tous les autres textures packs que j'ai. Donc là j'ai ma petite ferme à bambou qu'on va ramasser. J'ai fait une petite ferme à melon parce qu'il me faut de la bouffe. Et là on rentre dans le vif du sujet sans dire de cochonnerie. Voilà la maison. Franchement je suis assez fier du moins. Assez fier du moins. Je suis assez fier de moi. Je trouve que le résultat est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. Et ma foi fort sympathique comme dirait un certain Kilia. Donc voilà. Ça rend ça. Pour l'intérieur j'ai rien fait, ou presque. Donc j'ai fait j'ai mis quelques arbres ici pour faire un petit charme. Donc je pense qu'on va continuer à aménager cet extérieur encore un petit peu. Mais je trouve que c'est très joli. Déjà rien que ça. Avec un message subliminal qui est juste là. Des ananas cagés. Bon alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est encore en phase de déménagement on va dire. Parce qu'il y a une table de craft en plein milieu, un lit en plein milieu. Les seuls trucs à peu organiser c'est ça, c'est four. Avec une salle, une mini salle des coffres. Ici donc c'est bloc de construction. J'enlève tous mes items. Là c'est rien. Très important ce coffre. Hein. Pareil. Et là c'est tout ce qui est plantes du Tropicraft ou même du monde normal. Et là-bas on a le jukebox. Jukebox place. Oh j'arrive pas à le dire. Jukebox place. Donc donne-moi un CD. Attends, pas celui-là, j'en ai un autre. J'ai trouvé un autre arbre géant comme ça. Et là, regardez, ça s'appelle Trade Winds. C'est-à-dire les ventes de l'échange. Donc on se dit, ça va être sympa, ça va être un truc tout à fait normal. Et bah vous vous mettez des doigts profonds dans les yeux, les amis. Et pas autre part. Écoutez, est-ce que ça fait tropical? Est-ce que ça ne serait une seconde? Je vous laisse écouter un peu. Voilà, donc non, ça fait pas tropical. Si quelqu'un veut me faire un background sur cette chaise, avec moi sur cette chaise comme ça, mais je dis oui, hein. Parce que actuellement, je n'ai pas de background, en fait. Là, c'est la classe. C'est un ananas qui tient un ananas, c'est Ananasception. Beau gosse. Bref, nous pouvons partir, on va laisser la musique, ça fait un petit son d'ambiance qui est très sympa tout de même. Donc ce que je voulais faire pour cet épisode, déjà on va ranger tous ces trucs. On va ramasser le bambou avant de partir. Les végétations c'est ici, c'est ça, ça, c'est de la végétation. Ça c'est un bloc, donc on le fout là. Enfin c'est un truc qui peut construire des blocs. On le fout ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça je peux le mettre là. Ça j'en ai pas mal mais c'est ma bouffe. Tiens, dans ce coffre on va mettre tous les trucs qui servent à rien. J'ai mis mon plastron, on était sûr. Donc concrètement j'ai pas besoin de plus que ça. Comme vous voyez bien, j'ai bien utilisé mes trucs quand même. Hein. J'ai bien utilisé mes épées et tout, j'ai bien tout entamé. Donc je vous ai pas menti sur le fait que j'ai bien joué beaucoup. Sans tricher en plus pour une fois. Et ben je pense qu'on est ready to go.
On va peut-être arrêter la musique. Non, c'est bon. On s'en va de toute façon. On va ramasser tout le bambou. On va voir combien en une tournée je peux en ramasser là. C'est parti. Je mise sur 5... 6 stacks. J'ai dit 6 stacks. Et merde. 6 stacks, je pense que c'est raisonnable. C'est peut-être... Non, en fait, plus que ça, je pense. En tout cas, il nous en faut beaucoup parce que pour faire des blocs de bambou, il y a un truc qui m'a attaqué là. Salut toi. Oh, un spider jockey, tu vois. Normalement, il n'y a pas d'archer dans... ici. Hein. Dois-je vous le rappeler ? On the beach. Ok, c'est l'heure de la récolte donc. Dun, 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 dun. Ok, donc on va ouvrir l'inventaire et on va regarder combien on a. C'est parti. Ah, il y en a plus que 6 stacks. Non, il y en a 7. Non, 8, 8 stacks. Ça fait pas mal. Ah, ah pas mal. Comme dirait un ami que vous ne connaissez pas. Donc on va commencer par faire des blocs quand même. Voilà, hop, on fait 2 stacks. C'est très bien, on aura bien, bien récolté. On fait une bonne récolte. Et on peut partir pour, je sais pas. Je sais pas. Donc ça fait pas mal de blocs quand même. Ce qui est intéressant. On pourrait faire des trucs. Donc j'ai pris du chatch block. Ah, le chatch block, est-ce que j'ai encore de la canne à sucre? Pour vous montrer comment on en fait. Le chatch block en fait est tout simple. La canne à sucre. Regardez pas. C'est vous prenez la canne à sucre, vous faites un bloc comme pour faire le bloc de bambou que je viens de faire à l'instant. Et ça fait un chunk block qui sont ici, donc qui sont magnifiques et qui font la toiture ici également. Et ça c'est un chunk of head. Ah, d'ailleurs tiens, on va faire ça. Donc sur la map, j'ai fait une map. Je sais pas si vous voyez. Attendez. En partant de l'icône centrale, vous descendez. Donc on va faire progresser. Non, vous descendez jusqu'au 22. Il y a un cours d'eau qui sort du 22. Et le premier affluent à gauche, il y a une tache grise. Cette tache grise est un volcan, les amis. Nous allons au volcan. C'est simple, voilà. C'est clair, net et précis, on va prendre des blocs quand même. De la cobble. Non, la cobble, elle est où? On va prendre la cobble quand même. Je n'ai plus de cobble. C'est intéressant. On va prendre Putain, je voulais essayer ça. Et ça, on va prendre ça quand même. Et je vais pas utiliser le book of extraction right now because I don't need it. Voilà. Donc, j'ai pas posé tous mes blocs de bambou, bordel. Je suis vraiment blindé en blocs de bambou du coup. Voilà. Ça nous fait presque 5 stacks. Et toi, je t'ai pas mis là. Maintenant, tu es là. Très bien. Très bien, très bien. Que va-t-on faire? Donc déjà, avant de partir, donnez-moi une idée pour faire un plancher. C'est joli. Donc, voyez toutes les combinaisons qui sont possibles hein, à peu près. Même si vous n'avez pas le mode, vous pouvez faire des propositions. Là, j'aimerais bien mettre un bloc d'émeraude, mais ça n'existe pas encore. Donc, on va dormir. Avant, on va dormir. Et on va aller voir ce volcan. On va ramasser un stack de beach, je sais plus. De chunk of head. Et je voulais essayer un truc, mais j'ai plus de diamants. Juste pour le test, je vais me permettre de me donner un diamant. Juste pour le test, évidemment. Je vais pas le garder. Donc on prend le chest aussi. C'est parce qu'il fait partie du test. Attendez, on sonne à ma porte, je reviens. Je sais pas en fait si j'ai activé le... Bon, on s'en fout. Donc sont les diamants. Là, un seul diamant. Et ce que je voulais faire, c'est donc... pour faire un détecteur de coffre en fait. Comme j'ai ça, et on remet... même pas, on remet pas de bloc dessus. Si, on va remettre un bloc dessus. Par exemple, est-ce que si je fais mon truc de... Non, ça le détecte pas comme diamant. Dommage. Ça aurait été pas mal. Alors on va le casser et hop, on va laisser tout ça dans les ténèbres. Ça va disparaître. Ok, donc, on va au coffre. Au coffre, n'importe quoi. On va au volcan. Alors, je déteste par contre cette map. Je pense que je vais la modifier. C'est modifiable assez facilement. Donc c'est par là-bas. Ah, c'est bien par là-bas. Ok. Ok, là. Alors, il y a peut-être des coffres qui se cachent. Des coffres de pirates. Il faudra regarder s'il n'y a pas du sable purifié par terre. Et je risque de le rater parce que je suis nul.
Mais ça, ça me cache la vue, donc on va regarder comme ça. De toute façon, on verra le volcan au bout d'un moment quand il viendra. Quoi? N'importe. Bah ouais, il fait un mélange. Bah c'est la même chose, c'était des pâtes. C'était ravioli quoi. Comme tu veux. C'est mieux les raviolis. Ouais. Bon voilà. Vous avez entendu ce que je mangeais. Hein, je disais quoi, je sais plus. Donc oui, on va chercher les trucs purifiés. Là il y a des vaches, il faudra qu'on les fasse venir avec nous pour qu'on puisse avoir du beef. Parce que le beef c'est bon. Ça sent le beef. Non, c'est pas ça la musique, je crois, mais bon, c'est pas grave. Le volcano, donde estas, donde estamos, déjà. On part dans la mauvaise direction, le volcano il est par là-bas. On passe par les vaches. Génial! Aussi sur cette... non, j'allais dire quelque chose, mais non. Sur cette série, proposez-moi des défis de construction. J'adore faire de la construction sur ce mode. Avec les nouveaux blocs, etc. Genre, fais-toi un bar dans la mer, ou fais-toi une piscine, des trucs comme ça, un aquarium. Je relève tous les défis. Pourquoi il y a des torches ici? Je suis déjà passé. Je suis déjà passé. Donc, franchement, n'hésitez pas. On va ramasser ça pour faire des blocs de tchatch. Donc, je vous montre rapidement comment on fait. Hop. Tac, et un petit bloc. Donc, il faut vraiment beaucoup de ces cannes à sucre, mais bon. On est au volcan, vous le voyez. J'espère qu'il va pas prendre feu, enfin, va pas éruptionnariser pendant qu'on est là. Évidemment, il fallait que je dise ça pour que ça arrive. Génial. Vous voyez toutes les boules là? Salut. Salut, salut. Donc il a éruptionnarisé pendant qu'on était là, génial. À croire qu'il a fait exprès l'enfoiré. Un truc qui pourrait être sympa, c'est bloquer le haut et faire une maison dessus. C'est quelque chose d'envisageable. On va juste ramasser des blocs de ça, parce que je trouve ça classe. Hein? Peut-être que je peux faire des trucs avec. On va voir. Vas-y, dis-moi Nigel. Nigel! Nigel! Est-ce que je peux faire des trucs avec? Non. C'est une pierre sacrée qui a construit... Donc si c'est une pierre sacrée, peut-être je m'en fiche. Moi je la veux juste, c'est tout ce que je fais. Là, toute la forêt va prendre feu, c'est génial. Au moins des trucs comme ça, je trouve qu'ils sont très classe ces blocs. On dirait un peu de l'obsidienne en mieux. Un mélange de laine noire et d'obsidienne en fait, c'est assez cool. On peut se faire une maison dans le volcan, mais ça il faudrait être un peu ouf. Mais c'est un truc à tenter. Je sais pas, on va voir à quel point je peux aller loin. Ok, donc ça s'arrête là. Goodbye, bitch. Il y a de quoi faire un truc. Il y a de quoi faire un truc, pour être honnête. Une petite base ou un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. C'est un truc à considérer. Faudrait y penser. Si vous avez des idées pour faire une maison dans le volcan, ou faire quoi que ce soit dans un volcan, ou même au-dessus du volcan, interagir avec le volcan en général, je pense que ça peut être cool. On va, voilà, en stack, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ne pas mourir, ça serait bien. Allez. Et voilà, il le fallait que ça arrive. Heureusement qu'il y a de la flotte. J'ai faim. Ouais, il y a tout qui va prendre feu, c'est pas cool. Attends, le singe. C'est un sacrifice. Toukou. Alors forêt. Bon. Oh nul. Je suis mauvais. Allez. Ah oui, oui. Attendez. Alors il faut que je trouve. On va rentrer à la maison. Il y a un truc, ça s'appelle un sifter. C'est un objet, je sais pas comment on le craft. Oh vous voyez, la lave qui s'est affichée autour du volcan. C'est génial. On est au volcan donc. Hein. Ok, on est là. On doit aller dans cette direction pour rentrer à la maison. Ok, let's go. Let's go to the beach. Beach, let's go get away. What they gonna say. Bref, je suis... Ah bah voilà.
Que vois-je? C'est quoi ça là? Ça s'appelle un village, Pond the Beach. Ah mais c'est un petit village, lui je l'avais jamais vu avant je crois. D'habitude j'en vois des plus gros. Donc basiquement, il y a des villageois qui pêchent, comme vous voyez. Et on peut faire du commerce avec eux. Mais hélas, je n'ai rien à échanger avec eux pour le moment. Mais ce qui est un truc drôle, c'est prendre leur poisson. Et ils s'en fichent complètement. Et c'est sans faire de mauvais jeu de mots, si vous avez compris. Donc je regarde les coffres, des fois ils ont des meilleurs poissons que celui-là, parce que celui-là il est pas terrible en général. Je préfère le marlin. Ils en ont pas. Bon, c'est un petit village qui reste sympa. Si on peut prendre des chatch blocks ici, c'est cool. Mais bon, je vais pas le faire. Donc c'était par là-bas qu'il fallait rentrer. Hein. Je revérifie. Où est-ce que nous sommes? C'est là-bas. Ok, let's go. C'était sympa les gars. Bon, je vais vous aider. Voilà. De rien. J'ai rien fait. Mais je suis un humble citoyen. Je vais prendre ce champignon magique. Je sais pas à quoi il sert, mais je le prends. Parce que c'est un... Il y a marqué Magic dans son nom. Regardez, la preuve. Magic, mushroom. Oh, 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 on se calme. S'il vous plaît. On va regarder à quoi il sert tout de suite. Oh, le volcan est tout en feu. On a bien fait de se casser. Vas-y, dis-moi. Bambou magique, s'il te plaît. Non, bambou magique. Bambou. Champignon magique. Magic mushroom. Avec du croton, je peux faire du fertilizer. Bon bah on va essayer de ramasser du croton. C'est quoi ça, du croton? Là il y a des vaches. Ah la vache! Il y a un lézard. Le lézard je le compare au silverfish parce que regarde, je vais attaquer. S'il meurt pas normalement, regarde, regarde. Ah bah non, il m'attaque à toi. On se calme! Oh. Ça c'est cool, c'est la classe. On dirait un peu le jeu Pikmin. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaîtront. Est-ce qu'il y a du croton? Je cherche du croton, s'il vous plaît. Non. Hello! Regardez. Quand je disais que c'était des silverfish. Vas-y, il a ramené son frère. C'est pas cool. C'est pas une bataille de banlieue, là. Hein. Mais par contre, c'est bien que j'ai ramassé ces trucs. Avec ça, on pourra se faire une armure d'écaille qui est insensible au feu. Et à la lave, donc. Pour la même occasion. Voilà. Ciao bambinos. Où est-ce qu'on habite? Jesus. C'est juste là? On habite juste là? Je crois. Apparemment. Je sais pas. Let's see. Dun, dun, dun. J'espère hein, parce que sinon on est dans la nuit là. Ça me dit rien pour le moment. Peut-être qu'il y a du croton ici. Oups. Heureusement qu'il y avait de l'eau. Là, il y a Tentacruel. Vas-y, dégage. Là, il y a une araignée, dégage. M'en fous, toi. I'm lost. I am scared. I will never be the same without you. Normalement, on habite sur cette île. Wow, we are last. Ah non, ça me dit quelque chose là-bas. C'est la maison. Let's go. Arrête de me suivre, c'est bon, il arrête. Je vois des araignées. Je vois de la lumière. Mais qu'est-ce, Tentacruel? Est-ce que tu as du croton, s'il te plaît? Non, au revoir. Ne m'adresse pas la parole si tu n'as pas de croton. Faudra que je fasse un pont qui relie ça à là. Ça pourrait être joli et utile. On va un peu nettoyer ici. Histoire de faire un petit passage empruntable, on va dire. Je sais pas si on peut trouver de la redstone dans ce mode par contre. Ça risque d'être assez embêtant. Voilà. Donc on est de retour à la maison. Hein. Vous savez quoi, j'ai envie de construire un petit truc. Alors, qu'est-ce que je vais construire? J'ai envie de construire une tour là-dedans, là-dessus là. Une espèce de phare.
Est-ce que j'ai des idées? On va faire ça, on va faire ça. Donc je sais pas combien de temps ça fait que je tourne. Admettons que ça fait 10 minutes. On va prendre ça et des palmes wood, mais il m'en manque. Oh mince, j'ai pas le bloc de palme. Non, là c'est pas un coffre. Est-ce que j'ai ma hache sur moi? Non, elle est où? Je me demande où elle est. Tiens, elle est où? J'ai perdu ma hache. Dafuk, je n'ai pas là. Ah si. Voilà. Ok, on va prendre le poisson cuit. J'en ai plein. Je pense avoir la dalle. Merde. Hé, hey, comment t'es rentré chez toi, moi? Chez moi, toi, pardon. Comment t'es rentré chez toi, moi? What the f... On va couper du bois. On va couper celui-là, en fait. Déjà, il sert à rien. Et il gâche la vie. Ça, c'est celui que j'avais construit moi-même. Ne touchez jamais les notre coteau. Notre coteau. Oh, j'ai du mal. Notre coco, ce sont des traîtres. Bande de bitch. Ok, donc là, j'en avais fait pousser un. Toi, tu es à moi. Je préfère quand ils poussent comme ça, ils sont plus faciles à ramasser. Ou presque. À tout qui tombe dans l'eau, bordel. Avec les courants, ils vont s'en aller vers d'autres cieux. Allez, prends ça. Voilà. Vraiment, c'est bon. Je sais pas combien on a ramassé. Est-ce que tu pourrais me lâcher un sapinge? C'est bon, j'en ai déjà un. Donc, ta gueule. Ouais. Voilà. On se fait un peu de bone meal. On le fait pousser et on le ramasse. Ça sera trop, évidemment. Hop. Truc utile. Je l'ai mis à côté. Est-ce que je peux... Non, ça, il faut que je le casse à la pioche, mais c'est rapide à casser, donc tout va bien. Cependant, tu peux pousser gratuitement, enfin, tu peux me lâcher un sapinge gratuitement, j'apprécierais beaucoup. Vas-y. Fais-toi plaisir, merci. Il suffit de demander, hein. Hop. Et on fait un petit dernier pour la route. Écoutez. Hop là, hop là. Voilà, en plus c'est un courbé comme Julien. Je voulais pas. Mais des fois je ne résiste pas, la tentation est trop forte. Comprenez. Celle-là elle était. On va faire un épisode de construction avant de repartir dans les méandres de la magie. Faudra qu'on retourne dans le monde normal avant pour faire de la magie un peu. En tout cas pour reprendre des ressources. On devra faire un épisode de ressources. Dites-moi si vous voulez que je le filme ou que je le fasse en off. Parce que je pense pas que ça vous intéresse beaucoup beaucoup. Donc on a ramassé 45, c'est largement très suffisant. Voilà. Toi t'es un connard. Je le pense. Par contre, si est-ce que j'ai de la gunpowder? Dommage. Faudra que j'aille en chercher chez moi. Alors voilà, on va commencer les choses. Passons aux choses sérieuses. Ce que je voulais faire déjà, c'est joindre cette île à ici avec des half slabs. Donc on va faire des half slabs. Voilà, merci un stack. Je sais pas si ça suffira. Pour le moment, on dira que ça suffira. Très bien. Non, j'avais pas besoin de half slab de ça, mais c'est pas grave. Bon bref. Et en fait je voulais faire l'inverse, donc tout ça j'en avais pas besoin de ça, le slab là. C'est pas grave. Enfin quoi que je sais pas. Je sais pas quel motif on va faire. Ok, je coupe, je reviens. Re, donc je suis allé chercher du Mohagman Log, truc comme ça, il s'appelle comment? Mahogany. En fait j'ai remis le jour avec too many items. Bon. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de... On va partir de là-haut en fait, ça sera plus logique je pense. D'un point de vue esthétique et logique. Alors, on va le faire en train d'arriver et ici on fera un autre pont parce que c'est un peu fin. Alors on prend le sable pour s'élever. Comme vous faites pour vos enfants et vous aurez besoin de sable pour élever vos enfants. Oh la blague de merde. Donc on va faire un truc de...
large comme ça, c'est-à-dire 4. Et enfin, on va le faire, mais c'est tous les deux. C'est comme ça, je crois. Donc j'espère que c'est comme ça. Vraiment, on va mettre des blocs de bambou pour se tenir comme ça. Voilà. J'espère que c'est comme ça. Normalement, oui. Mais je suis pas sûr du tout. Faut enlever cela. Et voilà, ça fait bien de V2, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais. Donc, je vais faire une petite ellipse et je vous reprends quand j'ai atteint l'eau ou le sol. Voilà, on arrive à un truc à peu près comme ça. On va juste le prolonger un petit peu ici. Donc ça fait un truc comme ça, on va regarder de loin comment ça rend. Peut-être que, ouais, je mettrai des poutres en fait de qui le tiennent d'en bas parce que sinon ça tient un peu n'importe comment. Là, je vais juste chercher des barrières en bambou. Est-ce que j'en ai déjà? J'en ai 13, ça sera pas suffisant. Donc, hop hop. On va s'en faire pas mal. Comme ça. ...45, ça en fait vraiment pas beaucoup, je sais pas si ça sera assez. 51, on verra, on verra. Et donc pour les poutres, je continue avec mon mahogany log. On va juste faire des trucs un peu normaux. Mais ça va, ça rend pas si mal que ça. À mon avis, ça suffira pas. Peut-être que je dis faux. Donc c'est vraiment ce genre de truc que je vais faire sur cette série aussi. Donc on fera tous les achievements du mode magie. D'ailleurs je pense que je vais me dépêcher de finir tous les achievements de ce mode à partir de l'épisode 5 pour pouvoir profiter du mode Tropicraft. Enfin vous décidez de ce que je fais. Ah bah en fait ça aura pas été suffisant. Trolololol. On va faire les poutres tout de suite. Alors, on va faire une poutre ici déjà. Pardon s'il vous plaît. On va faire. Je pensais à faire un truc du genre. Comme ça. Là je fais un test. Hein, c'est. Oh on se calme les poissons. Genre comme ça. Et on casse celui-là. Comme ça ça fait un espèce de. Ok, ok, vous l'aurez cherché. Allez, dégagez, dégagez. Ah donc ça, je le casse. Ça va prendre 46 000 ans. Je devrais me faire un casque Aqua Affinity avec le niveau que j'ai. Ou même respiration, ça pourrait être pratique. Vas-tu te casser, s'il te plaît? Allez. Voilà. Et ensuite, on descend jusqu'au fond comme ça. Et je m'étouffe. Alors, est-ce que ça rend bien? Oui. Oh, je reviens. Donc si je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires, la vidéo va s'arrêter là. Dites-moi, peut-être que j'avais pensé avec des chunk of head. Un truc comme ça là. Je sais pas, ça peut faire un truc. Un espèce de truc, genre bitume, je sais pas. Donc franchement dites-moi. Je suivrai vos recommandations. Parce qu'il faut faire des poutres ici aussi. Ça va être difficile. Et bon, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime, mettre des commentaires, plein de commentaires, surtout des commentaires, j'adore les commentaires. N'oubliez pas de dire ce qu'il faut pour mon plancher ici. Je regarde s'il n'y a pas de trucs à vous demander. Pour le moment, ici, donc dites-moi quel plancher je fous ici, comment j'ai fait des poutres là, et donnez-moi des défis de construction pour les prochains épisodes, ou dites-moi si... Voilà, non, voilà, c'est tout. Ciao !